Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur notre serveur Xcube. Alors précédemment on s'était laissé lorsque j'avais... je sais plus ce que j'avais fait, hein, puisque depuis j'ai avancé. Donc j'ai baissé les sons des créatures passives, hein, comme les poules par exemple, parce que j'ai fait une petite machine à poules. On voit qu'il y a tout un système de redstone à l'intérieur, donc il y a des poulets, ça nous donne des poulets, des plumes, tout ça, à l'infini. Nos plantations ont commencé, enfin nos petites fermes plutôt, petits enclos. Et j'ai aplati toute la zone parce que en fait le point de spawn de notre île Zizi, donc je l'appelle l'île Zizi parce qu'elle a tout simplement une forme de pénis, hein. Je vous l'avais montré dans le premier épisode je crois. Donc là on est sur la couille gauche, si je puis dire. On est sur la couille gauche, la couille droite c'est ici. Et donc ici c'est donc le spawn, on a spawné ici. Et ici je vais faire une sorte de petite place avec une statue au milieu, une statuette de je sais pas quoi, peut-être une fontaine, pourquoi pas. Une fontaine. Donc je vais juste mettre ça dans l'enclos. Oh, voilà. Voilà, alors j'ai pris quelques matériaux, je vais regarder, donc j'avais du... on va juste faire de petits colorants rapidement, du petit colorant, voilà. Alors ici j'ai aménagé la salle des coffres, cela je vous l'avais pas montré, donc j'ai fait une petite salle des coffres temporaire en attendant. Alors où est-ce que j'ai mis les colorants, donc ici il y a du lapis, et j'avais mis des fleurs. Ah ben non, j'avais cru que j'avais des fleurs. Ah, peut-être ici. Oui, voilà. Ah ben il n'y en a qu'une, c'est pas normal ça. Je me rappelle avoir des fleurs. Oh, c'est pas grave, on va en prendre. Ah, il va bientôt faire nuit, c'est pas grave. Bon, je vais juste choisir la couleur des routes surtout, parce qu'il va y avoir des routes, hein. D'ailleurs tout ça là, on va les enlever plus tard, hein. Donc on va juste tester. Alors... d'accord. Je pense que je vais mettre ça comme couleur des routes vu que c'est l'argile de base, ça m'évite de faire de les colorer à chaque fois. Admettons. Normalement je crois qu'il suffit juste de faire ça, non même pas, argile, rouge de rose. Que je ne sais plus comment on fait les colorants. Désolé, petite ellipse, ma mère m'a dérangé, bon c'est pas grave. Alors j'en ai en profité pour regarder, donc en fait, fail, il faut entourer les colorants en fait. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc du rouge, je réfléchis, déjà je vais juste en prendre un pour voir la couleur, on va faire un de chaque, juste pour tester les couleurs. Oh il est joli celui-là, on dirait du bleu. Du violet pardon. Oula par contre il fait nuit, on va juste aller se coucher rapidement. Voilà. Donc j'ai mis à cuire aussi pas mal de... Ah bah non j'ai oublié de le faire cuire, oh là, je suis bête. Donc je devais faire cuire pas mal de stacks de pierre, voire avoir de la stone break et tout. Des dalles... Ah ouais donc ouais, ils appellent ça de l'argile bleue. C'est du violet. Bref. Voilà. Alors... Je teste, hein. On va sortir rapidement. D'accord. Pour voir la différence de couleur. Donc écoutez, le temps que cuisent les petites stone bricks, on va faire une petite ellipse. Pour vous dire aussi, je me suis enchanté, bon, très rapidement, puisque je me suis fait une petite salle provisoire d'enchantement en dessous là. Voilà, j'ai pu faire que 3 bibliothèques. Donc j'ai du cuir, mais il me manque un peu de papier encore. Je vais aller en chercher rapidement. J'en ai planté quelques-uns juste derrière. Juste en dessous là. Ah voilà, ça a bien poussé. C'est bien. Voilà. Ouais, j'en ai mis tant que ça. Oh, zut, il y en a un qui est cassé. Et voilà. Donc oui, il va falloir que je me retrouve à un autre endroit parce qu'ici c'est pas pratique. Alors là j'ai 37, mais ça va, j'ai de quoi faire du... Bah, faut que je retrouve mon cuir déjà, je sais pas où je l'ai mis. Au pire j'ai assez de vaches pour en tuer 2-3 quand même. Ah, c'était peut-être ici que j'avais mis les fleurs. Voilà, j'en avais ici. Ouais. Donc cuir, bah non c'est pas là. Ah, par contre j'ai du papier. Il y a du papier, moi je prends. Où est-ce que j'ai mis mon cuir, moi? Peut-être ici... Non. J'ai peut-être sur moi, non? Où est-ce que j'ai mis mon cuir? Ah, il est là. Oh, j'en ai que 3. Ouais, là, je vais pouvoir en faire qu'une seule bibliothèque, c'est pas bien ça. Bon, là, on va se tuer quelques vaches. Donc là, j'ai fait une ferme à poulet, enfin une machine à poulet. Je ferai aussi... J'essaierai, je dis bien, j'essaierai de faire une machine à vaches et à poulet, et à cochon. Voilà, je pense que là, c'est suffisant. Alors, combien j'en ai maintenant? 7... 8, bah il m'en manque un. Moi je l'ai toujours pas... Ouh là, j'essaie de le tuer. Je vais juste aller rapidement me prendre, comment ça s'appelle, du blé pour les faire s'accoupler. Voilà. Alors là j'ai une baisse de FPS, je comprends pas pourquoi, voilà. Par exemple là, je suis à 30, non là je suis à 40, et là d'un coup je sors, hop, bim, 20, après je vais là-bas, je suis à 40, ici je suis à 20. C'est relou. Alors, du blé, voilà. Oh oui, faites l'amour. Vous aussi. Vous aussi. Est-ce que j'ai des graines? Non, tant pis. On ne fera pas avec les poules. De toute façon, les poules, j'en ai plus vraiment besoin. Bah c'est bon, je peux en tuer une dernière. Allez, donne-moi du cuir. Super. Pile poil ce que je voulais. Voilà, bah maintenant on va se faire les petits livres. Donc là, je vais pouvoir me faire 3 bibliothèques de plus. C'est déjà bien. Bah après avoir fait l'espèce de spawn ici, là, avec la jolie place, je ferai une machine, une ferme à XP, sûrement, donc j'ai trouvé un mob spawner en bas, mais bon, c'était, c'est un mob spawner d'araignée de caverne, donc c'est bof. Qu'est-ce que j'ai voulu faire, moi? Du papier, hop, hop, et hop, hop, 9 livres, c'est très bien. Est-ce que j'ai assez de bois? Non. Je vais pas assez là je crois. Voilà. Alors, hop. Ouais, je crois que j'en ai pas assez du tout. Voilà. Ouais, si j'en avais assez. Et hop. Merde. Ah mais je me suis trompé. Pardon. Voilà, c'est mieux. 3 bibliothèques, c'est très bien. On va le mettre là, voilà. Et lui ici. Donc voilà, j'ai de quoi quand même maintenant me faire pas mal d'enchants, j'espère. Bah, de toute façon, là j'ai une armure en fer, j'ai trouvé pas mal de minerais, donc je vais vous montrer rapidement. Voilà, une trentaine de diamants, un peu de fer, beaucoup de redstone, beaucoup de charbon aussi. J'ai tué un Enderman, voilà. On va peut-être faire plus tard. Donc voilà, moi je vous dis petite ellipse, à tout à l'heure. Alors, donc bah, je viens de prendre tous les stacks de pierre. Donc, je vais m'en faire 2 de la stone brick. Hop. Et... ouais, je vais prendre des demi-dalles. Ouais, 2 stacks c'est pas mal. Je vais garder de la roche au cas où, si on verra ce que je vais en faire. Du coup, j'hésite. Est-ce que... bah déjà, on va aller s'approcher de la zone. Est-ce que j'ai ma pelle? Oui. Alors... donc c'est un peu le bordel dans mon inventaire, mais... oh là là, c'est pas possible. Alors... 2, 3... 4... 1, 2, 3, 4. Donc j'essaie de faire une zone, enfin, lieu à terre. J'avais de la terre là. Parce que là j'avoue que on va le faire plus grand. Oh, c'est chiant. Pourquoi il y a de la pierre ici? De toute façon, là, je vais enlever cette terre-là. Voilà. Si je vais mettre, comment ça s'appelle, deux dédales, du coup ça sera en demi-hauteur. Alors ouais, donc je disais, j'hésite à faire les routes, comment dire, avec de l'argile durcie blanche, peut-être. Oh, comme par hasard, il y a de la pierre en dessous là. Je teste juste un truc, peut-être le pattern. Ouais, c'est le matin, je suis fatigué. Ouais, non, c'est pas bien comme ça. Hop là, hop là. Ah, faut vraiment que je me vide mon inventaire, parce que là... C'est horrible. Ah, je peux même pas ramasser ça, quoi. Oh là là. Alors... déjà je vais remplir, faudrait peut-être que ce soit un bon cercle, donc que je vais refaire ça. Oh là 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 là, faut vraiment que je me réveille là. Oh putain, oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Je me rappelle qu'avant il y avait des... les demi-dalles, mais enfin ce skin là de pierre, mais en bloc entier. Enfin, c'était il y a très longtemps, je sais pas si c'était un bug. Donc là je remplis tout. Oh, ouais, c'est pas vite, je remplis tout. Et je... j'enlève et je rajoute pour que ça fasse un cercle. Alors... voilà. Donc on va mettre 4 de chaque côté, non 5 de chaque côté. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est bien. Et je vais enlever là où ça va pas. Non, putain. Voilà. Ensuite, 5 ici. Il doit y avoir une dalle. Ici. Alors ici, waouh. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Hop, hop. Et hop. Pareil de ce côté. Dalle, 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 dalle. Voilà. Ça ressemble déjà plus à un cercle. Un truc bizarre là. Non, voilà. Voilà, je crois que c'est bon. Je suis pas sûr. Ouais, il manque juste une de terre ici, puis ça sera bon. Voilà, c'est parti. On redescend. Et une de terre ici, j'avais dit. Et voilà. Donc on a notre cercle. Là, je vais agrandir. Et voilà. Alors ici, est-ce que je dois le casser? On va voir. Donc là, voilà, je vais agrandir, tout simplement. J'en ai plus déjà. Mais ça part vraiment vite. Je vais rechercher des ressources, je reviens. Voilà, alors j'ai pu me faire deux autres stacks, presque entiers d'ailleurs. Je sais pas si ça va suffire. Ouais, donc va falloir que j'aille miner beaucoup de pierres. Parce que là, j'en ai déjà presque plus, hein, j'ai tout ce que j'ai, donc voilà. Alors j'en étais où moi? J'en étais à remplir ici. Donc ouais, ici il y aura soit une fontaine, enfin je pense plutôt une statue, je sais pas. On verra ça au fur et à mesure. J'ai trouvé un mineshaft aussi tout en dessous à la couche 11 je crois, ouais, 11 ou 10. Du coup bah faudrait que j'aille l'explorer. Je voulais y aller avec Blue Knight, mais bah tiens, petite annonce, et bah son ordi ne fonctionne plus, donc il va rechanger ça donc, dans quelques jours, voire peut-être une semaine ou deux, je sais pas, donc c'est dommage. Pour l'instant je suis tout seul sur le serveur. Et donc voilà. Donc va falloir que j'aille l'explorer moi-même tout seul. Donc je le ferai sûrement pour l'épisode 3. Alors on va faire l'accès aux routes. Donc ici bah il y aura le spawn, donc route. Ah, putain de terre. Pioche. Voilà, je fais l'accès, je vais pas le faire maintenant. Il va falloir que je retorche aussi parce que sous mes torches sont là. Voilà, au cas où, on sait jamais, j'ai pas envie que ça spawn. Alors j'ai mis un compteur de mort, je sais pas si je vous l'ai dit, j'oublie tellement de choses. Encore à droite, vous voyez, on voit que Moloko est déjà mort une fois. Mais encore je l'ai mis après qu'il est mort au moins deux fois, donc normalement c'est censé être écrit 3, mais c'est pas grave, je ne peux pas le rajouter. Alors, il commence déjà à faire nuit. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire les routes? Donc j'hésite, est-ce que je mets ça ou pas? Avec de la stone brick, on va voir si ça fait bien. Donc là j'essaie des patterns avec vous. Alors, ça fait pas trop joli. Pas trop joli du tout. À moins que... Est-ce que si je fais... Peut-être comme ça... Ouais, ça sera juste... Non. Peut-être déjà des routes, peut-être en 5 de... En 4, pardon, en 4 de... Ah, mais du coup, il va falloir que je refasse ça, parce qu'ici, c'est pas... Ouais, c'est en nombre impair. Soit je fais 3 de large, soit je fais 4... soit 5. Donc je... Ouais, je sais pas, on verra ça. On verra ça. Alors bah, ici non, pas la peine. Ici oui. Écoutez, moi je vais faire une petite ellipse en attendant de trouver un pattern pour les routes. Donc voilà, moi je vous dis à tout de suite. Alors donc j'ai trouvé ça. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc en fait j'ai rajouté une couche comme ça qui vont se disperser autour du pseudo rond-point, on va dire. Jolie place. Alors donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi de faire. Alors attends, peut-être qu'ici je devrais mettre d'abord des dalles, et ici voilà, ouais, je pense que c'est comme ça le mieux. Et ici de l'argile, l'hardstone clay. Quelle couleur encore, je sais pas. Moi je pensais blanc, mais le problème c'est que blanc, bah il faudra beaucoup d'os de squelette, du coup il faudra faire une ferme à squelette, ou sinon carrément de l'argile normale, c'est-à-dire celle qu'on va directement soit crafter, soit chercher dans le biome Messa, en sachant que le biome Messa, j'en ai un juste là et un autre par là-bas, enfin, j'en ai, c'est une map très riche, donc à voir, donc on va tester, donc... Ouais, je sais pas si ça... Bah ça fait bien aussi en même temps, ça fait mi-terre, mi-argile quoi, bah ça fait de l'argile quoi. C'est de l'argile d'ailleurs, je suis bête. Et peut-être en violet aussi, mais en violet ça sera énergivore en colorant aussi. On va essayer là. Donc il va falloir que je me décide, je demanderai l'avis aussi de Blue Knight. Bon, c'est vrai que c'est beau le violet, hein, en même temps c'est mon pseudo. Qu'est-ce que c'est beau, oui. Donc franchement je sais pas. Il faudra du rouge et du lapis. Bon, le lapis lazuli, j'en ai des masses, c'est bon quoi. Colorant rouge, le rouge on peut avoir avec les fleurs, je crois, et c'est tout. Hein. Qu'avec les... Oula, c'est quoi ce bug? Regardez le cube de violet. Je l'avais jamais vu. Ça fait ça qu'avec... D'accord. Ah non, ça fait que ça qu'avec le violet, bizarre. On voit à travers le cube de... C'est bizarre. Bref, ça doit être mon shader qui fait ça. Donc voilà, j'ai trois patterns différents. C'est vrai que celui-là, ça fait très simple, mais assez dur à avoir. Surtout que les fleurs rouges, ouais, bah, je crois que je vais m'orienter vers celui-là, hein, vu qu'il n'est pas trop compliqué à avoir. Ah bah non, celui-là c'est du bleu, c'est pas du violet, je dis n'importe quoi. Le bleu, bah oui, c'est-à-dire que je peux faire en violet. Là c'est violet, mais c'est du bleu en fait. Parce que l'argile durcie c'est à base rouge, donc si on met du bleu, bah du rouge plus du bleu, ça fait du violet. J'ai envie d'essayer, attends, on va essayer un truc que j'ai jamais essayé, hein, parce que la dernière fois que je jouais à Minecraft en survie, c'était il y a 4 ans. Alors on va tester de faire un colorant violet, et de le mélanger avec de l'argile durcie, pour voir quelle couleur ça fait. Ça fait du violet, et on va voir la couleur que ça donne. Ouais, ça a l'air plus d'être du caca en fait, du pourpre vomi. Ouais, c'est du rose en fait. Ouais, c'est du rouge plus du violet, ça doit faire un rose comme ça, donc c'est très joli, j'aime beaucoup, mais énergivore, colorant, si ça se dit. Donc ouais, bah en fait on va le mettre en violet, parce que c'est du bleu et du lapis-lazuli, j'en ai à revendre. Ouais, donc c'est... on va mettre en comme ça, voilà. Allez hop, comme ça. Ça au moins c'est fait. Hop là. Hop là, hop là. Donc ça, on va pouvoir enlever. Hop, 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 hop. Et hop. Alors, alors maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais peut-être continuer la continuité de la route. J'hésite. Voilà, j'ai plus de place. On va lâcher ça. Voilà. Nique ta maman. Alors... donc j'avais dit en bleu, donc vous êtes d'accord que c'est bien écrit bleu, hein, je suis pas fou, mais c'est du violet, donc c'est très bien pour moi, donc bah, j'ai 2 stacks d'argile durcie, 3 stacks d'argile durcie, pardon, ça me fera 3 stacks d'argile durcie en bleu-violet, voilà. Alors voilà, la pile azuli, j'ai ce qu'il faut. Et si j'en ai besoin, bah, j'irai en rechercher, c'est pas un souci. De toute façon, la couleur violette, j'utiliserai exclusivement pour les routes, en tout cas pour l'instant. Pardon. Et voilà. Bah oui, j'en ai vraiment largement assez en fait. J'en ai beaucoup, il va bientôt faire nuit, enfin, j'en ai en fin d'après-midi. Enfin, début d'après-midi même. Alors, bah, donc j'en étais où, moi? Je vais peut-être essayer de commencer là-bas. Donc, je vais faire un truc assez accueillant pour les nouveaux arrivants. Alors, hop là, hop là, hop là. Donc ça sert à rien, je vais laisser de la terre, hein. Pour économie, ça sert à rien d'enlever le dessous, on laisse la terre, et puis voilà, on va pas s'embêter. Non mais franchement, c'est vrai, quoi. Alors... ah, quoique ici je fais... ah ouais, bon, je sais pas ce que je vais faire au milieu, je veux quelque chose de joli. Alors, donc ici je compte faire une sorte de quelque chose d'assez courbé comme ça, qui fait le tour comme ça, avec des arbres autour, peut-être des petits buissons. Donc une petite astuce pour faire des buissons, donc je vais vous montrer ça, donc il me faut une barrière, évidemment j'en ai pas. Donc je vais faire une table de craft ici, comme ça, ça m'évitera de faire des allers-retours pour rien. Un petit coffre aussi au cas où, parce que... pour mettre mes trucs, je suis assez chargé là. Tiens, bah, j'ai de quoi faire 2 coffres, c'est très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire, moi? Déjà, j'ai déposé ça, pardon. Ça aussi, ça, j'ai pas besoin. Un stack suffit pour l'instant. Le bois, j'ai pas besoin. Les œufs... voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire, moi, déjà? Une barrière. Mais où mon bois? Je suis bête. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire, moi? Je fail. Les barrières, donc c'est avec des sticks. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire, moi? Des barrières. Ah oui, j'ai une mémoire très courte, là, parce que je vois, c'est le matin. Alors, barrière, donc il suffit de... ah, j'ai oublié un truc. Petite ellipse. Voilà, alors je suis avec ma cisaille. Avec ma cisaille, j'ai... ou mon cisaille, d'ailleurs, je sais pas, je crois que c'est une cisaille. J'ai coupé, enfin, les arbres qui étaient ici avant, et ben les feuilles, je les ai coupées, bah, du coup, avec la cisaille. J'ai un stack de feuilles de chêne. Et donc, en fait... dommage, par contre, je suis pas allé dans une jungle encore. C'est pas très grave, mais en fait c'est une petite astuce. Regardez, vous mettez une feuille sur le dessus et vous mettez des lianes, une liane de chaque côté. Et du coup après ça tombe. Voilà, et ça fait une sorte de buisson très sympa, comme si c'était du une sorte de bambou. On dirait un tronc d'arbre mais très fin. Donc... Ah oui, c'est vrai, je suis pas en créa. Je suis trop bête, moi. Hop, voilà. Voilà, donc c'est juste pour montrer. Il va bientôt se coucher le soleil. Alors, donc ici, je voulais faire l'espèce d'arrondi. Donc, on va essayer ça tout de suite. Donc, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 2. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Donc là, on va faire 5. Et là, je vais refaire le même pattern. Donc, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, et 1. Comme par hasard, connard de coffre. Oh merde. Voilà, c'est pas grave, je vais le refaire au plus vite. Juste derrière. Merde, fail. Ah, alors je sais même pas à combien j'en suis au niveau de l'épisode. Je suis vraiment en mode au feeling là. Et qu'est-ce que je vais mettre, la terre là-bas, les lapis, et ça, voilà. Donc, ouais, bah, ça a l'air d'être pas mal. Alors, en plus, je suis arrivé pile poil à la fin, donc franchement, nickel, nickel. Ah, il fait nuit, oh mon dieu. Vous voyez comment la luminosité, elle baisse d'un coup quand c'est le crépuscule. En même temps, c'est bien, parce que quand je suis en train de miner, bah, par exemple, je sais quand il fait nuit, puisque d'un coup, la luminosité, elle baisse, même si je suis sous terre. C'est pas très grave. Bah écoutez, moi, je vais vous laisser maintenant. Voilà, donc j'espère que la durée de la vidéo n'a pas trop dépassé. J'essaie de faire entre 20 et 30 minutes maximum. Donc voilà, bah, je vous dis à bientôt pour l'épisode 3, et voilà, bisous.